Bonjour internautatrice, c'est internautateur ici Galden pour les Jeux du Cygne. On se retrouve en live sur Zephon. Alors depuis le dernier live, la V1 est sortie. Pas de grosses différences hein, de ce que j'ai pu en voir, de ce que j'ai pu en tester en solo. Voilà, mais on a un jeu qui est définitivement accessible pour tous. Et ça, c'est chouette. Donc, nous on était en train de. Ouh. De s'attaquer. Ah, c'est rigolo ça. De s'attaquer sérieusement au romantique. Non, moi j'étais romantique, pragmatique. De s'attaquer à l'Aristo. Caspar. Je suis en alliance avec le soldat défunt, la renégate. Sympathie avec la chef Ten. Et puis plutôt en guerre avec Zéphon. Et donc là, il a sorti des unités qui sont des soldats d'assaut. La gueule. Et ils vont peut-être faire un peu mal. Et il va falloir que je m'attaque fortement. Bon, ceci dit, je pense qu'ils vont pas durer très longtemps, mais ouais, ils ont 8 de blindage. C'est costaud. J'avais personne en cargaison. Que je vais faire, c'est que je vais envoyer tout le monde de l'autre côté. Hop. Parce que finalement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de troupes que mes alliés. Là, par contre, j'ai une équipe de lance-missiles. Et donc, toi, je vais t'empêcher d'aller très loin, mais je suis pas sûr que tu ailles très loin de toute façon. Je pourrais faire un bombardement. Ça te boufferait ton tour. C'est pas ouf, mais bon. C'est pas ouf, mais bon. Toi, bah tu vas shooter. Exécuter les ordres en attente. C'est toi qui es en train d'avancer. Sauf qu'il faut pas du tout que tu ailles par là maintenant. Faut que tu ailles par là. Sauf que là, oui, si l'idée c'était que de toute façon, le problème ne survivra pas longtemps. Donc il vaut peut-être mieux que, oui, que je m'approche par ici. Là, j'avais ma deuxième ville avec un médecin de combat. Un ingé qui faisait une route, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai comme ressources? J'ai de l'influence et j'ai des minéraux. Donc je peux continuer de faire ma route. Avec un clic gauche, c'est mieux. Hop. Et j'ai mon char de combat Crusader qui s'approche. Toi, tu peux continuer à leur tirer dessus. Ça t'engage pas grand-chose. Ah oui, et là j'avais une lutte contre les neutres. Qu'est-ce que j'avais? Toi qui a pris un peu de dégâts, mais qui est pas encore HS. Là, je peux les terminer. Ah oui, et puis il y a ces saloperies-là qui sont en nombre conséquent. Là, j'ai un médecin de combat dans les soutes. D'accord, donc là il y a encore beaucoup de monde par ici. Il faut juste que je me méfie fort de cela.
Régler. Je vais me débarrasser de ce problème-là. Je vais dégager un peu le passage. Ça, c'est quoi? C'est les cyclones et ça, c'est chars de combat. Là, c'est pas grand-chose en comparaison. Hey! Salut, Rognamatou! Et sur Zephon, et bim, tu lances un stream. Ça, si ça tombe bien. Si ça tombe pas bien, pardon. Comment vas-tu, The Seed, qui est Aurélien Matou, maintenant que je l'ai repéré. Mais c'est très chouette, ce jeu. Je recommande très très vivement. Je sais tout. Qui n'a pas encore tiré, toi? Piu, 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 piu. Et ma ville va encore me faire un char de combat. Et qu'est-ce qu'elle va me construire, ma ville? Alors, j'ai zéro loyauté. J'ai que je suis au à toc au niveau des logements. Je vais. Ah ouais, j'avais recherché la liaison orbitale parce que je ne l'ai pas développée. Alors, qu'est-ce que ça dit? De la bouffe, je peux en avoir un peu partout, mais le plus 30%, je l'ai que ici. Non, je peux l'avoir là aussi, le plus 30%. La recherche, je peux l'avoir partout. Les minéraux, plus 20%. J'ai ça. J'avais plus beaucoup, plus 20%. Je peux aller chercher. Ah si, je peux aller chercher à deux cases. Deux cases, deux cases, deux cases. Et non, je peux pas avoir de plus 20%. Donc ça, il faut que je me le garde si je veux me faire un autre truc de. J'ai pris quel perso, type de leader, je sais pas comment ils appellent. J'ai pris le romantique pragmatique, ce qui est un nom totalement à la con. Le let's play va sortir, je sais pas quel planning. Le début de la partie. Va sortir, voilà, c'est le signe qui gère le planning, hein, comme d'hab. Mais donc c'est pas du tout un début de partie. Je fais quoi? Je fais plus 21 minéraux par tour, j'ai pas besoin d'en faire un autre, très clairement. Là j'ai quoi? Plus 20, plus 20, ceux-là je peux les avoir ailleurs. Donc je vais me faire un truc de loyauté ici. Bim. Fin de tour. Il a du gros quand même, hein, la vache. Donc c'est un le leader que j'ai, c'est un leader orienté humain sur les trois factions. Hein, il y a la faction Vox, la faction Cyber et la faction humaine. Et voilà le char de siège Vanquisher. Moi aussi je l'ai. Alors, où est-ce que j'en suis en recherche? J'en suis au T5 avec le char de guerre Vanquisher. Je peux prendre plus un de périmètre encore. Je peux prendre le hangar d'assemblage. Faire des pium-pium. Soldats d'assaut. Ouais, ça c'est ceux qui viennent de sortir. Soldats d'assaut, tiens, ça m'intéresse de voir. Ma relation avec l'Anachorète se sont améliorées grâce parce que je suis en guerre contre Zephon. Eh ben, ça me fait une belle jambe, voyez-vous. Alors, toi, tu vas aller là. Le. Ah non, but. Ah bah si, je peux le mettre là. C'est peut-être une connerie, mais je vais. C'est fait.
Ici, je peux passer derrière. Non, je ne peux pas passer derrière. Hop. Oui, il faut qu'on le défonce parce que sinon. C'est. Alors là, c'est du. Je suis que contre de l'IA. Donc là, actuellement, j'ai deux alliés. IA. Et lui contre qui je suis en guerre. Donc il n'a pas trop ses chances. Hein. Qu'on se le dise. Toi, du coup, je vais te décaler par là. Hop. Et te faire attaquer ça. Continue à péter les ingés. Exécuter les ordres en attente. Alors, toi, tu vas attaquer ça. Alors, ici, on continue notre nettoyage. Nous qui nous faisons. Toi, ah zut, j'aurais dû te soigner. Et il le termine. Perfecto. Ok, on va continuer d'avancer les troupes par là-haut. Mon objectif suivant, c'est cette base de Zéphon. De construire notre route qui nous coûte cher. Quand même que je fasse gaffe, parce que... Bon, allez, on va dire j'ai traversé la forêt, je vais m'arrêter là. C'est un char de combat, oui. Ordre aux villes, alors, toi... Ah oui, j'avais construit les trucs sur les falaises là. Le signe. Comment vas-tu? Concordat. J'ai 170, je vais m'acheter du minerai. Comme ça. Là, je suis à plus 20. Il me semble que j'avais pris la recherche. Ça va, je viens de regarder un peu ce romantique avant de me lancer dans Fallout. Ce beau romantique. Il me semble que j'avais pris la recherche qui me permettait. Voilà, plus 1,5 minéraux sur les falaises. Je voulais voir un peu comment ça fonctionnait parce que j'étais pas bien sûr de mon truc. Là, j'ai falaise. Là, j'ai pas falaise. Donc on va voir ce que ça donne. C'est ça que je veux, c'est ça. Et pour extracteur de minéraux, oui, c'est ça. Donc il faut que je fasse un extracteur de minéraux sur une falaise. Fin de tout. Il sort la plainte de troupes. La vache, c'est la guerre totale, wesh. Ok, sympathie. Ah, la cheftaine s'est faite défoncer. Bon. Eh ben, c'est pas moi, c'est les autres. J'y suis pour rien. Ouais, c'est la guerre totale et il se défend, le coco. Bon, par contre, c'est très bien parce qu'il a reculé, c'est... Il a reculé... Ces ingénieurs, donc du coup les ingénieurs arrêtent de soigner la ville. C'est une très bonne chose. Bon. Ceci dit, il a quand même vraiment du monde. Qu'est-ce qui s'est fait attaquer? Lady, onirophage. Et l'Outrider qui a pris un peu cher quand même.
L'option de départ qui n'existait qu'avec mode dans Gladius. J'ai pas trop testé les modes sur Gladius, mais il y a effectivement des options de départ à foison. Ah bah il est là, il me semblait bien qu'il y avait un autre gros dans. Bon, lui, il faut vraiment qu'il se barre. Et qu'il arrête de prendre des dégâts. Normalement, il est tranquille. Bon, il est le gros. Donc, oui, les options de départ, vraiment, c'est. Il y en a énormément. Donc, tu peux vraiment personnaliser tes parties comme tu l'entends. Fait. Alors, je sais qu'il a envoyé une de ses petites cochonneries à distance là, mais je vais rester par là quand même. Hop, allez, on termine. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'as pris des dégâts, toi? Oh, c'est un militant que j'avais converti au. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, l'anachorète? Enfin, si, je sais ce qu'il fait là. Il était ici, donc. Ah oui, en plus, il est bloqué ici. Ok. Ok, donc il va falloir que je me défende ici. Donc, ça, c'est une troupe qui s'était faite charmer sans doute par le bestiau que j'ai tué bah, là à l'instant. Donc bah il va rester par ici. Et puis bah on va pas les laisser vivre. Hein. Je suis désolé de te le dire, mais. Qu'est-ce qui doit sortir d'ici peu? Pas grand-chose. Mais là je vais me sortir. Oui, je viens de faire un lance-missile. Faire de médecin ici, je vais me faire un petit militant des familles. Et toi, c'est quoi ton moral? Toi, ta loyauté, elle est à moins 3, c'est pas terrible. Parce qu'ensuite, je peux aussi décider d'aller me chercher, mais me faire une autre ville, genre par là. Solution. Meilleure pourriture remontée. Tout à fait. Très très romantique, mais un peu pénible quand même. Bon, lui sera plus efficace contre des militants. Péter son. Ah, je préfère ça. Tac. Ça me servira à rien. Essaye de descendre le QG. Non, saloperie. Saloperie. Alors, Yufen, que me veux-tu? La catégorie. Vous m'avez pas mal. Oh, bah oui, donne-moi un cadeau. Ouais, 8 minéraux, c'est pas terrible. 47 antimatières. Waouh. Je sais pas ce que je vais en faire, mais. Hop.
Ouais, surveille mes arrières, c'est bien. Sauf que il fait mal le couillon. Un petit boost de morale à tout le monde. Ça fera du bien. Ouais, tu vas te replanquer dans la ville. Ouais, ça m'arrange pas trop qu'il m'ait pété mon Outrider. Alors, toi, du coup, bah, t'es un peu tout seul. Ouf! Bah, la forêt, ça. Ça coupe l'élan, mais pas qu'un peu, hein. T'as décidé de te mettre par là. Bon. Ça pour te faire plaisir. Hein. Alors, ici. Tac. C'est une autre avancée. Hop. Bien. Donc là, c'est fait. Il n'y a plus grand-chose. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais revenir avec mes petites troupes. Je vais revenir avec mes petites troupes vers la base. Parce que si jamais il envoie un peu plus de troupes, je risque de prendre un peu cher. Hop, toi, tu peux du coup me refaire un extracteur de métal ici. C'est par un truc de loyauté. Hop, hop. Est-ce que c'est ce dont j'ai le plus besoin? C'est pas sûr. Ouais, si métal quand même. Si tu peux faire de... Ben, le problème, c'est qu'en fait, quand tu te fais pas aimer du peuple, tu perds des ressources. C'est tout l'intérêt de la loyauté. C'est que dès que tu es en négatif, tu te retrouves avec un taux de récupération de ressources qui diminue. Donc... C'est moi ça, yes, c'est bon. Abattez l'aristocrate honorable. Je viens d'avoir un succès pour ça. Mein Gott, ça ne peut pas finir comme ça. Éteindre la dernière noblesse du monde. Car qui d'autre que moi pourrait transformer ces horreurs indicibles en délices raffinées? Mes ennemis pensent qu'ils peuvent se régaler sur le cadavre de mon empire. Non, petits vautours avides, ils vont s'étouffer avec. Désolé, Caspar. C'est ainsi. Alors, j'ai encore un ornithophage là. Pff, il me fatigue ces trucs. Il me fatigue. Chope dégâts subis. Si, ça doit être ça, je pense. The Seed.
Hop, allez, toi, tu remontes. Toi, t'as pris bien cher. Je vais faire un petit scan. Ah oui, il reste encore un gros truc comme ça. Toi, si tu... Ah, tu peux regagner un peu de vie comme ça. Ça me coûte 10 d'influence. Allez. Eh bien, je vais le mettre à l'intérieur de la maison pour qu'il se soigne. Les neutres sont plus diverses que les barbares de Civ, mais elles posent toujours. Oui, ça c'est clair. Ah, coucou Zéphon. C'est pas moi, je le jure. Bah, et puis là, des unités neutres, il y en a quelques-unes. Hein. Je fais 3,3 dans les deux cas. Est-ce que j'arrive à le faire passer en dessous de 50%? Peut-être là. Ouais. Y a ça que je voulais faire. Oui. Je vais récupérer d'autres cases. Hop, genre ça. Tout petit AFK. Excusez-moi, c'est reparti. Tain a fait la paix avec Lena Korret. Je suis pas sûr que ça m'arrange ça. Ouf. Merde, je me suis fait défoncer mes lance-missiles. J'aurais mieux fait de leur faire faire demi-tour. Bon, tant pis. On va voir ça. Alors, un plan bionique. 17. Ouais, j'allais faire. Moi aussi, je vais me faire des vions-vions. Parce que c'est rigolo, les vions-vions. Allez, bim. Ah merde, c'est pas moi qui l'ai récupéré lui du coup. Dommage. Toi, tu vas te soigner et tu vas prendre quasiment ton level max. Et toi, tu vas speeder. Ensuite, il y a ça. Voilà, nourriture, ça va. Je suis hyper large en nourriture. Donc c'est pas un souci. Ouais, là je me suis clairement fait défoncer mon équipe de lance-missiles. Alors. Ah oui, là, c'est ça, il m'attaque pour de vrai en fait. Pas ça pour de faux, donc je vais aussi aller le planquer là-dedans, lui. Histoire qu'il puisse régène. Et j'ai vraiment besoin de ramener des troupes. C'est genre indispensable. Donc là, ce que je vais faire... vais mettre là. Hop. Je vais remonter... Lui doit pouvoir se débrouiller à peu près tout seul pour finir le ménage par là.
Ouais, sauf que je me fais des dégâts là, c'est un peu con. Et puis les autres, on va les faire rentrer. Hein. Donc, ce serait quand même con de perdre ma ville principale. N'est-ce pas? Même limite, eux, est-ce que j'ai intérêt à les faire monter là? Bon, on va se dire que oui. Mais. Et ben on va se faire des soldats d'assaut là. 6 tours. Un char de combat là qui va pop. Dans 2 tours. Sûr qu'il ait suffisamment de quoi me faire vraiment mal, mais hop, soigne-toi, petit médecin, tac. Aller récupérer cette cache, mais je ne peux pas la récupérer. Allez. Il faut qu'il se soigne. Il n'est pas assez bien passé en point. Un dragon. Si je sais faire. Hein. Des kaboum. Moi te soigner. Alors, toi, tu avances. Toi aussi. Et toi, lentement. Alors, ici, j'ai fini ce que je voulais faire. Hop. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah là, il faut que j'enlève mon ping. Ça fait partie des trucs pas tip top. Parce que comme mes alliés ils vont vers mon ping, bah si j'enlève pas mon ping, il reste. Donc les alliés, maintenant on va leur dire d'aller par là. Il y a du monde là, on est d'accord. Moi, je fuis. Hein. Hop. Et toi, tu vas soigner. Non, tu vas soigner mon gros tank. Hop. Hop. Bon, toi, tu m'emmerdes. Très clairement, tu m'emmerdes. Merde, je suis obligé de sévir. Hop. Ça, c'est un truc de micropuce. Très bien. Lui, il va aller se réparer là. Hop.
toi, tu vas récupérer ça. Il reste une petite crotte là. On va ressortir toi. Voilà. Ouais, bah tu vas attaquer cette grosse saloperie. Allez, un petit char de siège là. Histoire de voir un peu ce que ça donne, et puis on va aller s'attaquer là-bas. L'anachorète, on va pas le laisser tranquille. Là, il essaie de fuir, mais ça ne suffira pas. Vion, vion. Plus 5% de ressources par élimination, plus 2 de logement, ça c'est bien. Alors, il a fait demi-tour. Ici, qu'est-ce que je pourrais faire comme ville? Il me faut plein de métaux pour ça. Ok. Les métaux, ça s'achète, hein. Mais moi, si je veux aller par là. C'est pas vraiment pour les ressources que ça m'intéresserait, c'est plus pour la position. Et à choisir, je préfère me placer par là. Ah, j'ai du métaux, j'ai de l'influence. Je vais aller par là. Là, il faut juste que je nettoie. C'est tout. Ça tombe bien, la cavalerie est en train d'arriver. Ça, c'est quand même vraiment pas terrible. C'est vraiment une attaque un peu toute pourrite. Le ferai sortir au prochain tour. Il y a aussi une loyauté qui diminue quand on fait de nouvelles villes. Tout à fait. À chaque nouvelle ville, on perd 6 de loyauté. Donc, c'est assez important même. Est-ce que là, ça suffit à le tuer? Non. Par contre, si je suis là, je pense que je vais arriver à le tuer. Hop. Je me doute. Là, du coup, tu vas réparer le copain. Le plus 8 est bien. Ah, merde, j'y arrive pas. Là, il y a de la saloperie de bleed. Bien. Alors. Là, on va finir le gros dragon. Ça y est, ça me fait récupérer des minéraux en plus. Toi, tu vas te mettre ici pour régène. Gage de détachement, qu'est-ce que ça fait ça? Applique étourdissement, ah sympathique ça. Sympathique de pouvoir étourdir un adversaire.
Hop. Bien, alors, toi, il est temps que tu finisses de mourir. T'as beau te protéger, ça ne suffira pas. Ça va peut-être suffire pour ce tour, mais ça va peut-être pas. Ça n'a pas suffi. Et toi, une petite piqueuse. Et on repart au combat. Toi, tu régènes pendant ce temps. Un tour. Hop, allez, on va s'installer. Il me suggère là, mais c'est naze là. Y a la piqûre, la règle de tout le monde qui, c'est clair. Alors, ça a une portée de 1. Donc je peux aller stun le gros là. Ça roule, merci le signe. Des bisous à toi. Ouf. J'ai pris un peu cher. Bon, toi, tu bougeras plus jusqu'au prochain tour. Ouais, les villes collées à l'ennemi, c'est ça qu'on aime. Il a vraiment la dose, bordel. En même temps, comme le dit le signe, c'est vrai que il est un peu juste à côté. Ah, tiens, je peux lui faire un petit bombardement. Ah, zut, ça suffit pas. Par contre, ça va les calmer, eux. Hop. Ouh, ça me permet d'aller hop le finir. Parfait. Alors, toi, hop. Non, le misclic. Ouais, tu régènes. Allez, go sur l'anachorète. Non, c'était pas du tout ça qu'il fallait que je fasse. Je vais aller là, puisque là, je peux te soigner. Tac, tac. Et du coup, toi aussi, tu descends. Hop. Alors, eh ben tu vas me faire un petit hangar d'assemblage, toi. Comme ça. Que j'ai perdu mes dragons. Ah, mon médecin, ça m'emmerde un peu plus. Enfin, quoi qu'il avait pas grand monde à soigner là, mais. Toi.
Qu'est-ce que tu me veux, toi? Vas-y, donne-moi des cadeaux. Ouais, plus de minerais, ça m'intéresserait davantage, mais... Hop. Le fond est ambivalent. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que j'ai tellement... Ah oui, il faut que je prenne la recherche qui me permet de revendre le truc jaune là, dont j'ai pas grand-chose à faire. Je vais revendre ça que j'ai en plus que tonnes. Ça en archi plus que tonnes. Il faut cliquer 50 milliards de fois. Je vais racheter des minéraux. Hop. Bon. Bon, bon, bon. Alors, est-ce qu'on gère tout ça? Parce que lui, il n'est pas très en forme non plus. Déjà bougé. Toi, tu vas aller là. Là, ça suffit pas à les tuer. Aux unités alliées de taille morale la zone pour un tour. Est-ce que ça l'affecte lui-même? Non. Ça, c'est totalement naze. J'ai la renégate, elle peut me donner ses propres buffs? Hein? Je savais pas ça. Ça dans les dents. Je vais te mettre là et tu vas régène. Toi, tu vas descendre. Et toi, tu vas régène. Et là, ben, on va avancer, hein. Salut beau gosse. Je peux pas te tirer dessus. Hop. Toi, tu vas aller jusque là. Est-ce que t'es full vie? Pas tout à fait. Mais tu le seras au prochain tour. Alors, ordre ville. Et du coup, je suis nouveau à zéro en loyauté. Et il me faut plus de bâtiments. Plus de logements. Sauf que je suis dans deux tours, j'en aurai davantage. J'ai quoi? J'ai un bâtiment de logement. Oui, il m'en faut un autre. Vu la taille de la ville. Qu'est-ce que je dois lui dire d'autre là? Ah, c'est ça. Scan satellite. Révèle des cases. Tellement. Aïe, aïe, aïe. Ah non, merde.
Et pas bon du tout. Fuyant. Là, ça sent carrément le caca boudin. Ouais, ça pue. Ça pue complètement. Et je vais arriver à perdre mon commandant niveau 9. Ça, c'est quand même vraiment la loose. J'ai vraiment sous-estimé ces troupes-là. Ok. J'ai vraiment sous-estimé ces troupes. C'est assez débile. Bon, on va s'attaquer à la zone la plus facile, d'abord. Faible. Toi, tu régènes. Toi. Des neufs. Ouais, non, allez, ouais, tu peux avoir honte. Je t'autorise à avoir honte. Bon. Bah, tu vas te barrer aussi, hein. Essayer de faire en sorte de limiter les pertes de ville. Les pertes d'unités. Ah. Où est-ce qu'il a pop mon soldat d'assaut du coup? Ah, c'est eux là. Non, c'est un militant. Ah, il a pop ici. Eh ben, rip, le petit soldat, le petit commandant. Rip. Pas rip. Ouf! De la vente. Ouais, c'est ça. Si je veux revendre toute mon antimatière, j'ai pas besoin. Alors, je pourrais aussi faire des recherches sur les trucs que je vais acheter. Je ferai ça ensuite. Bon. Alors. Char de combat, Crusader, c'est toi. Ah oui. Qui a pris des dégâts, d'accord. Le QG qui a pris des dégâts. Commandant, char de combat ici. Me suis fait capturer ça par les neutres. Bien. Bon, il a survécu, mais pour combien de temps? Parce que là, encore, si je pouvais le planquer, sauf que il me manque du mouvement pour ça. Est-ce qu'il a chopé le putain de trait infirme? Il est en feu. Ouais, je vais le perdre. De toute façon, il n'y a pas d'autre alternative que je le perde. Hein. Pour l'honneur.
Parce qu'en plus, là, j'ai un. À l'extrême rigueur, ici, j'ai un buff de défense. 17% de réduction, mais ça suffira pas. Hein. Ce que j'en fais avec les honneurs, mais j'ai géré ça comme un temps, comme un manche, comme un tank. Comme un manche. Et ça m'énerve un peu, d'ailleurs. Toc. Toc. Le site à régène. Alors, j'ai un scan maintenant. Bien, derrière. Plutôt que d'aller là, tu vas essayer de me défendre ça là. Je l'ai acheté, trop curieux de voir les versos et l'arme de techno. Tu es faible, The Seed. Mais je comprends que tu sois faible pour ce jeu. Car c'est un très bon jeu. Je donne l'OIT, hein. Lâchette, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est fort en jeu de mots cet homme? Une de métaux. Bon, en même temps, enfin, vraiment, si t'as aimé Gladius, c'est vraiment un achat qui ne. Enfin voilà, qui. De toute façon, ça te plaira. Je suis arrivé à perdre ma ville aussi, putain. J'ai vraiment eu tout fou là-dessus. Ouf! Et je me suis fait péter mon char là-bas. What? Tiens, ça c'est pour moi. Et bim! Ah non, je l'ai pas détruit. C'est le blitz qui va le détruire. Bon, bah, rip le commandant. Ça c'est fait. Ah mais merde, c'est que mon point de sortie c'est là. Oh, quel con. Quel con. Bon, hop. Hop. J'aime beaucoup ta définition. Alors ça, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut changer d'arme. Donc soit c'est Fuigos. Alors le Fuigos. Bout portant. Et là, Fuego surchargé. Ok, qui t'inflige des dégâts. D'accord. Je fais un petit AFK, je reviens. Me voilà de retour, mais en fait, je vais m'arrêter. Ouais. Je suis dans une situation un peu compliquée, c'est bien. Voilà, donc ça change un peu. On verra un peu ce que ça donnera une prochaine fois. Merci, The Seed, d'avoir suivi le live.
Et merci à ceux qui l'auront regardé sur YouTube en VOD. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.